Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la BI Desktop de chez Microsoft. Et notamment aujourd'hui, donc, vous montrer quelques petites fonctions de la Business Intelligence de Microsoft et notamment les fonctions fonction DAX, hein, Time Intelligence. Donc on va aller voir ici comment calculer du Last Years, du Month Years, du Year to Date. Voilà, donc plein de petites statistiques qu'on fait régulièrement quand on fait des tables de bord. Donc on va aller voir ici quelques petites fonctions qui sont vraiment intelligentes dans DAX, ou là que vous aurez du mal à faire dans Excel. Donc vous allez voir que Power BI vous permet, grâce à ce langage DAX, de pouvoir réaliser des indicateurs, des mesures, pour pouvoir bien afficher ça dans vos tableaux de bord. Alors déjà, avant de faire ça, je vous montre la petite base de données, hein, le petit modèle de données. Voilà, donc on a une table des ventes, on a des clients, on a des produits, on a des régions et on a évidemment la table des calendriers qui va vous permettre de pouvoir gérer justement cette fameuse table des calendriers qui va vous servir là pour pouvoir gérer vos mesures grâce à ça. Donc vous allez pouvoir bien utiliser pas mal de choses. Alors la table des ventes, vous allez voir, elle est pas très compliquée. Une table basique, on a avec des dates de commande, code client, produit, ville, commande, prix unitaire, revenu, prix d'achat. Voilà. Voilà. Et puis la table des calendriers, j'avais créé un calendrier avec ici une mesure DAX qui a permis de créer mon calendrier avec la date, date de valeur, l'année, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, donc on va aller voir bien déjà notre première mesure. Alors j'ai créé déjà des mesures, hein, ici, je vais aller développer le champ. J'ai créé ici une table des mesures, avec ici à l'intérieur déjà des mesures, notamment, bon, la principale c'est la table totale des ventes, d'accord, hein, totale des ventes, je vais vous le montrer, hein, voilà. Je suis allé chercher la fonction somme, qui fait la somme de toutes les colonnes des revenus de la table des ventes, et ça me permet ici d'avoir une mesure directement. Exemple, si je me mets ici, que je prends ma table des calendriers, et que je vais prendre ici, je sais pas moi, la date par exemple. Ok, on va mettre ça sous format tableau. Ok. Et qu'on aille également chercher, eh bien, le total des ventes qu'on va glisser aussi à côté. Donc on va aller voir les ventes jour par jour, notamment si on veut gérer nos calendriers. Ok. Exactement. Alors j'aurais pu laisser le trimestre, le mois, peu importe. Ici, on a vraiment tous les jours. Voilà, directement. Allez, donc bien, on va aller voir maintenant comment on peut calculer les ventes. Première mesure qu'on va calculer, ça on le fait assez régulièrement. On va pouvoir calculer déjà. Donc on va créer une nouvelle mesure. Voilà. Si je veux calculer les ventes de l'année N-1, ça on le fait souvent. Voilà, on va très souvent calculer et comparer les ventes, le chiffre d'affaires de l'année N versus l'année N-1. Eh bien, on va les voir ici. On va mettre, on l'avait appelé total vente, mais ici on va l'appeler total vente last years, hein, N-1, peu importe. Bon, l'avantage c'est que je vais pouvoir zoomer pour que vous puissiez voir. Donc la mesure va être égale à quoi? Alors vous avez une fonction DAX pour ça, qui va vous être intéressante. Donc déjà, l'une des principales fonctions DAX que vous allez utiliser souvent, c'est la fonction calculate, hein, qui évalue une expression dans un contexte modifié par des filtres. Donc calculate, hein, c'est l'équivalent des sommes SI, hein, sommes SI ensemble. Voilà. Alors il va vous demander un argument obligatoire, c'est l'expression. Donc l'expression, vous l'aurez compris, ça va être quoi? Ça va être, eh bien, mon total vente. OK. Et sur quel critère il va falloir le faire? Eh bien, le critère, ça va être quoi? Ça va être de lui dire, eh bien, de le faire que pour l'année d'avant. Et pour ça, vous avez une fonction DAX qui s'appelle SEM période last years. Voilà. Donc sur la même période, mais l'année d'avant, tu vas me calculer le chiffre d'affaires. Donc ici, elle a besoin juste des dates. Donc ici, eh bien, les dates, on l'a, on va le chercher dans notre calendrier.
Et on va chercher dans la table des calendriers la colonne qui s'appelle date. Tout simplement. Je ferme la parenthèse de mon same période last years. D'accord? Et je vais aussi fermer maintenant la parenthèse de mon calculate. Voilà. Donc, on va valider et on va aller voir ici ce qui va se passer. Ok. Voilà. Allez, il va calculer. Donc là, a priori, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. D'accord? Et si je demande ici à calculer donc le total des ventes last years, hein, pour l'instant, ça, hop, je vais m'en débarrasser. Voilà. Je prends ici mon total des ventes last years, hein, que je vais glisser ici directement dans mon tableau. Pardon. Ici. Et vous allez voir qu'il va vous le faire sur l'année d'avant. Voilà, donc là c'est normal ici sur 2018, c'était la date, mais vous allez voir qu'il va commencer ici sur l'année directement. Voilà, si je mets par exemple uniquement l'année. Voilà, donc ici on voit bien qu'il reprend l'année 2018, l'année d'avant, 2019, l'année d'avant. Donc vous voyez qu'à chaque fois il y avait le décalage. Voilà, et puis on va en profiter aussi pour formater un format monétaire euro voilà, directement comme ça sans décimale, on va pas mettre. Ok, donc là on a bien ici nos dates. Ok, donc ça c'est une première version, donc same période last years, qui vous permet ici de pouvoir donc bien récupérer ici cette mesure. Alors il y a une autre façon de faire. Donc parce que là, si on veut par exemple calculer le mois d'avant ou le trimestre d'avant, eh bien on n'a pas de same période last month, de same période last quarter. Donc il va falloir utiliser une autre méthode. Et pour ça, donc on va créer une nouvelle mesure. D'accord. Deuxième méthode, c'est d'utiliser. On va l'utiliser, vous allez voir, il va nous faire exactement la même chose. On va faire ici, on va lui donner un nom déjà à cette mesure. Total vent last years. Et on va mettre méthode V2. Okay. Version 2. Et vous allez voir qu'elle va être beaucoup plus souple, elle, puisque derrière. Ok, vous allez voir. Elle va vous permettre, donc je vais faire Maj Entry pour me décaler. D'accord, Total Vent Last Years version 2. Eh bien, on va aller encore une fois utiliser la fameuse formule Calculate. D'accord. Avec encore une fois, ici, ben, ça sera toujours mon total des ventes. Ok. Qu'on va ici calculer, mais ce coup-ci en utilisant une fonction d'acte qui s'appelle date add. Ok. Date add, hein, qui vous permet ici de pouvoir hop, cliquer dessus. Voilà, ça va vous donner ici, ça va vous déplacer l'ensemble des dates en fonction d'un intervalle spécifié. Donc vous allez voir, il va calculer par rapport à un intervalle. Donc il a besoin de trois arguments. Les dates, le nombre d'intervalles. Il va devoir faire le décalage, et ici, effectivement, qu'est-ce qu'on veut mettre en type d'intervalle? Les mois, les années, vous allez voir que cette fonction dateAdd va vous permettre de pouvoir faire des choses beaucoup plus souples. Notamment, donc elle a besoin d'une date, on a dit le premier argument, eh bien, on va le chercher dans la table des calendriers avec la date. Ok? Directement. Ici, on voit déjà qu'il vous propose mois, jour, mois, trimestre et tout ça. Donc, on va, deuxième argument, le nombre d'intervalles. Et bien l'intervalle ici, ça va être si je veux faire moins 1. Donc l'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir lui demander de se décaler d'un mois, de deux mois, de trois mois, donc en mettant moins 1. Et le dernier, donc on vient de le voir ici, hein, le dernier argument, et bien ça va être est-ce que tu veux les mois, on l'a vu ici, mons, si je veux faire calculer les ventes, comparer le mois avec le mois d'avant. Trimestre avec le trimestre d'avant, quarter, et si je veux l'année avec l'année d'avant, eh bien on va mettre years. Okay. Voilà. Donc là on va fermer la parenthèse de date add et on ferme la parenthèse
de mon calculate. Voilà ici la fonction DAX qui permet une autre variable, mais beaucoup plus souple, elle, parce que derrière, elle va vous permettre de pouvoir faire des comparaisons avec le mois d'avant, 2 mois avant, 3 mois avant, 6 mois avant. Donc vraiment, vraiment assez pratique. Alors, on va aller valider, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Ok. Et si je mets ici cette mesure que je vais glisser ici, vous allez voir qu'automatiquement, il va vous le faire exactement pareil. Hein. On va avoir exactement la même chose. On a bien ici les mêmes montants directement. D'accord. Donc, et on va en profiter aussi pour formater notre champ ici. Alors, hop, on va chercher l'euro. Voilà, donc et sans décimale. Voilà, donc ici, hein, vraiment, cette fonction-là vous permet de pouvoir calculer déjà pas mal de choses. Alors maintenant qu'on a une mesure qui nous permet de calculer le total des ventes, celui de du mois fin de l'année d'avant. Eh bien, on peut faire maintenant, on peut calculer la variance entre les deux. Donc, pour ça, on va calculer une nouvelle mesure, parce que ça, on le fait souvent dans les indicateurs. On va calculer une nouvelle mesure qui va nous permettre de calculer la variance, okay, entre les deux. Alors, on va se mettre en plein écran et on va lui donner un nom à cette nouvelle mesure. On va l'appeler vente hier versus last year's. Ok. Évidemment, on va mettre ça en pourcentage. Alors, pour ça, eh bien, il va nous falloir faire une division. Donc là, on va chercher l'instruction divide, hein, qui vous permet d'avoir une fonction safe de sécurité au cas qu'on ait la division par zéro. D'accord. Donc là, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir mettre? Eh bien, il va nous falloir chercher notre mesure qui s'appelle total vente. Ok. Moins eh bien, moins les total ventes last year's, alors avec la première méthode ou l'autre méthode, peu importe. D'accord. Et ici, le dénominateur, donc ça va être eh bien l'année total ventes de l'année d'avant, évidemment. Exactement. Okay. Et si on veut y mettre le alternatif, eh bien, on va mettre du blank. Voilà, pour éviter qu'il y ait ici une. Alors, on va juste réduire un peu, voilà. Et puis ici, la parenthèse, hein, c'est la parenthèse qui permet mon divide. Ok. Lui, on va le mettre en pourcentage, parce que ça va être en pourcentage. Ok. Et on va aller valider. Donc là, on a fait juste une simple division. Voilà, si je prends lui, que je vais glisser maintenant ici, là. Hop. Et vous allez voir, il va vous mettre la variance entre les mois, s'il y en a. Ok. Okay. Voilà, donc vraiment pratique. On va le mettre en pourcentage, lui. Voilà. Voilà, par rapport à l'année. Et là, ça vous permet de pouvoir aussi faire ben, un petit... des petits graphiques hein, automatiquement qui vous permettent de comparer l'année N avec l'année N-1. Voilà, ça peut être intéressant, notamment à calculer. D'accord. Évidemment, j'aurais pu l'avoir aussi, si j'y affiche les mois, on pourrait aussi le faire. Donc ici, on a aussi par mois, ça marche aussi. Voilà, il calcule à chaque fois, hein, que ce soit par année et par mois. Mais on a exactement la même chose. Voilà, donc ici, déjà, on a déjà fait quelques petites mesures. Je vous permets ici de pouvoir comparer les périodes directement. Alors, si on veut optimiser cette mesure-là qu'on vient de faire, vous allez voir qu'on peut essayer d'optimiser cette mesure-là qu'on vient de faire directement en utilisant des variables pour simplifier le code. Okay?
Ici, si on remet sur cette mesure-là et qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on a calculé ici. Okay. Vous allez voir qu'on peut faire une version 2. Voilà. En utilisant ce qu'on appelle des variables, vous allez pouvoir, dans une mesure d'axe, créer aussi des variables. D'accord? Et une variable, c'est comme quand on fait une macro, ça vous permet de stocker une donnée. Okay. Alors, on va aller ici, CTRL-V, et on va mettre ici une version V2. Alors, et on va aller voir ici comment fonctionnent les variables. Donc ici, on va mettre en commentaire, voilà, optimisation de la mesure en utilisant les variables. Les variables, je rappelle, ça permet de stocker une donnée. Okay. Voilà. Alors pour mettre des commentaires dans la mesure, dans le calcul des mesures, dans la BI, vous mettez 2 divisé, ça vous permet de pouvoir, d'ailleurs ça va se mettre en vert, qui dit vert dit commentaire, comme dans le VBA. Donc ça va vous permettre ici de le faire. Alors, eh bien, vous allez voir qu'on va essayer de le faire exactement pareil. Donc on va déclarer une variable. Donc ici pour déclarer une variable en DAX, vous tapez var, d'accord? Et ensuite on va lui donner un nom. Donc ici par exemple on a besoin ici de calculer l'année, par exemple on va mettre l'année N. L'année N va être égale à quoi? Eh bien on a vu, hein, ça va être égal à mon total vente qu'on vient de calculer ici. Okay. Ensuite, donc là on va juste enlever ça comme ça. Voilà. On a besoin aussi d'une deuxième variable. D'accord? Qu'on va appeler année N. Voilà, on va l'appeler moins 1, par exemple, comme ça. Égal, et là on va chercher une autre mesure qu'on a calculée tout à l'heure, l'astilleur. Okay. Et ensuite, eh bien, on va ne faire notre calcul. Donc ces deux variables doivent nous retourner, donc on va utiliser l'instruction return, parce que d'accord, hein, il faut qu'elle affiche aussi le contenu. Eh bien on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, divide, et vous allez voir que là le code va se simplifier, puisqu'on va avoir besoin de l'année, et là on va utiliser les variables qu'on vient d'utiliser, hein, année n moins année n moins 1, vous allez voir, dès qu'on commence à taper, vous l'avez ici, d'accord, que virgule l'année n moins 1, okay. Et si on veut éviter le champ vide, eh bien on va chercher la fonction blank, tu vas mettre du vide à la place, voilà, directement, ok, et on va faire j'entrée pour fermer la parenthèse de mon divide, voilà, ici, hein, la formule qui permet de pouvoir simplifier et le calcul. Voilà, on va donner des noms à des variables. Ça va vous permettre de pouvoir ici bien faire déjà un premier calcul. On va stocker la donnée dans cette variable et ensuite on va l'utiliser dans un autre calcul lorsqu'il va l'afficher. Ok, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez pratique à faire. Ok, alors on va tester. On va aller voir si notre mesure qu'on vient de calculer, la V2 fonctionne aussi, donc on prend la mesure qu'on va glisser ici, et vous allez voir qu'on va avoir exactement les mêmes intitulés, si ce n'est que, il faut que je mette cette mesure en mode pourcentage. Vous allez voir qu'on va avoir exactement les mêmes calculs, les mêmes pourcentages, directement. Okay? Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir avoir ce genre de calcul directement. Voilà, donc déjà ici, quelques petites fonctions voilà, qui sont intéressantes à connaître. Donc on vient de calculer déjà l'année d'avant, deux méthodes, calculer le ratio. D'accord. On va en faire une nouvelle ici, parce que des fois ici, on peut être aussi amené à calculer le year to date, c'est-à-dire le cumulé de l'année N avec l'année, voilà, le cumulé, le year to date, le month to date, le quarter to date. Donc on va utiliser une nouvelle mesure et on va apprendre à créer le year to date. D'accord. Donc ici on va l'appeler total vente year to date. D'accord. Le cumuler, hein. C'est-à-dire que tu pars d'une date début, puis tu cumules, tu cumules, tu cumules.
Alors, on va les faire. Donc, eh bien, vous avez deux méthodes. Première méthode, vous avez une fonction d'axe qui s'appelle total. Alors là, pareil, hein, je peux avoir le total month to date, le quarter to date, et évidemment, vous l'avez le total year to date. D'accord? Alors, elle a besoin que ça vous évalue une expression spécifiée par l'intervalle qui débute du premier jour de l'année et se terminera à la dernière date que vous lui aurez spécifiée. Okay. Alors, elle a besoin au minimum de deux arguments avec pareil des filtres si on veut. Donc, le premier argument, c'est l'expression, vous l'aurez compris, l'expression, ça va être sur mon total 20. D'accord? Nettement. Et le deuxième expression, d'accord? Il a besoin d'une date. Eh bien, les dates, vous allez voir, hein, ça va être simple. La date, ça va être mon calendrier avec toutes mes dates directement. Okay? Voilà. Et ici, donc après, on a évidemment des impôts supplémentaires. Mais là, on finit juste pour ça. C'est tout. Voilà. Total, year to date. Total, month to date. Total, quarter to date. Je valide. On va aller voir ce que ça va donner. Voilà. A priori, pas d'erreur de syntaxe. Donc, on va vérifier tout ça. On va formater déjà, pardon, cette mesure, elle n'est pas en pourcentage, mais elle va être en euros. OK. Donc là, j'ai fait un year to date. Donc si je prends ici et que je vais glisser ici mon year to date, vous allez voir que les montants vont se cumuler. Voilà, et ils vont repartir à zéro. Voilà, par exemple au mois de février. Donc ici, si je prends les dates. Alors, on va prendre ici, on va mettre uniquement voilà, les dates. Comme ça, on les aura toutes. On va les trier. Que ça soit. Voilà. Donc ici, on a bien ici les dates qu'on a de vente. Voilà, ici, on voit bien, hein, il voit qu'à chaque fois, il va faire 16 000 plus 10 000 en année à 26 000, plus 19 000, 46 000. Ici, il fait bien le cumulé year to date. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Par exemple, si je veux y mettre, si je prends ici les dates, voilà, que je mets mon petit cumulé, voilà, et que je veux faire une courbe avec ça, ou une aire, peu importe. Donc on va aller voir ici après le cumulé qui vous permet ici de pouvoir. Le mettre, donc si on garde que les mois par exemple, hop, voilà. On pourrait y mettre les mois qui va permettre ici de pouvoir cumuler les données à partir d'une date notamment. Okay. Voilà, ici on a le cumulé de l'année et puis on a le cumulé de l'année 2019. Okay. Le fameux year to date. Voilà, donc ça c'est des petites choses qu'on fait très très souvent dans les tableaux de bord. Hein. Pour aller montrer le year to date. Exactement. Voilà. Donc chaque année, on a le cumulé année par année, puisqu'on l'a fait. Voilà, on a pu l'avoir aussi le month to date et ainsi de suite. Voilà donc déjà ici quelques petites mesures hein, qui sont vraiment intéressantes, qu'on va utiliser très souvent dans les tableaux de bord. Notamment, donc on vient déjà de voir ici quelques petites mesures concernant la time intelligence, hein, les fonctions d'axe de type calendrier. Intelligent. Allez, je m'arrête là, sinon la vidéo risque d'être un peu longue, et je reviendrai pour un module 2 pour la suite de quelques nouvelles fonctions directement. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.